de ville fait partie des bâtiments emblématiques de la commune. Difficile d'imaginer que c'est l'aboutissement d'une très longue histoire qui démarre au milieu du 19e siècle. À Malakoff comme ailleurs, il est intéressant de voir qu'on a plusieurs générations de mairies. Malakoff fut d'abord un quartier de Vanves. Pour leurs demandes administratives, les habitants devaient se rendre à la nouvelle mairie de Vanves, construite à mi-coteau de l'autre côté de la voie ferrée. Plus on avance dans le 19e siècle et plus il y a une volonté des citoyens d'avoir un lieu de rencontre collective. La population dépassera rapidement celle du bourg de Vanves. Les premières revendications de création de Malakoff en tant que commune étaient en fait parallèles à la création de Malakoff en tant que paroisse. Et après, ils se sont appuyés sur cette création de paroisse pour dire maintenant qu'on est une paroisse, on veut aussi être une commune. Sous la pression populaire et avec l'appui des élus au conseil municipal qui habitent le nouveau quartier, un décret présidentiel crée en 1883 une nouvelle commune qui prendra le nom de Malakoff. Pour Malakoff, lorsqu'elle a été créée en 1883, quels étaient les premiers enjeux? C'était la construction de l'école. La nouvelle commune est sans équipement, avec seulement une église construite en 1863 et une école. À partir du moment où il y a eu des conseils municipaux, cette obligation de se réunir dans une maison commune, mais pas forcément d'avoir un bâtiment, existe. Le nouveau conseil municipal, sans maison commune, se réunira donc dans le seul bâtiment public, l'école. Le préau fera office de mairie provisoire, une situation inconfortable et peu conforme à l'esprit républicain de l'époque. Le conseil municipal décide en 1884 de louer deux maisons mitoyennes situées sur le territoire fondateur de la ville, rue Victor Hugo. Les maisons sont bricolées à la hâte pour donner l'aspect de maisons communes. La construction de la mairie, c'était, à mon avis, en 1884, un acte extrêmement symbolique, au sens où il s'agissait de montrer qu'on existait en tant que commune. Les locaux se révèlent peu fonctionnels pour tous les services administratifs nécessaires à la vie communale et démocratique. Cette mairie s'était faite au fil du temps d'ajouts successifs et les premiers éléments de constructifs de l'ancienne mairie étaient dans un état désastreux. L'affirmation du pouvoir du maire ou du pouvoir de la commune s'est fait à travers le besoin d'avoir une mairie qui abritait des vrais locaux administratifs. 1922, l'architecte communal Armand Guérard réalise la première annexe dans l'angle de la rue Victor Hugo et Ernest Renan, après l'achat par la ville des bâtiments. La construction est de bonne qualité, mais ne répond toujours pas à tous les besoins. Il faudra attendre 1975 pour qu'une équipe d'architectes urbanistes crée le premier hôtel de ville et la médiathèque sur l'emplacement des anciennes écoles communales. Cette centralité, le plus souvent chez les architectes des années 70, est liée aussi à des espaces piétonniers, à une place le plus souvent devant, ce qui est entièrement le cas ici à Malakoff. L'ancienne mairie se dégrade au fil des ans. Et on savait que de toute façon, dans la population de Malakoff, tous les gens étaient très attachés à l'ancienne mairie. Le conseil municipal décidera de reconstruire en 2006, sur ce lieu symbolique de la ville, une maison de la vie associative, tout en conservant la mémoire des lieux. La ville progresse, se développe et qui nécessite une nouvelle mairie. Il fallait quand même conserver des éléments de l'ancienne pour justement faire le lien entre les générations. Donc on a conservé essentiellement la partie la plus récente, qui était la partie créée par Guérard. Tous les éléments qui s'y référaient, on les a conservés bien évidemment. En gardant la clôture de cette cour, le portail, c'était une manière de reprendre justement l'image de l'ancienne mairie. C'est une belle continuité qui permet de faire en sorte que les anciens habitants de Malakoff qui habitent toujours savent qu'il y a toujours des éléments qu'ils ont vus. Et c'est un rappel de la mémoire pour les nouvelles générations qui vont pratiquer ce lieu et qui pratiquent la ville aujourd'hui. L'hôtel de ville tel qu'il se présente aujourd'hui est entré dans le patrimoine du XXe siècle. Il offre une architecture singulière, typique des années 70, faite de briques et de verre. Ces mairies vont elles aussi refléter cet art architectural lorsqu'elles vont être construites. Donc vous avez des mairies des années 70 qui utilisent un certain nombre de types de matériaux. L'ensemble est bas. Ses dimensions sont fidèles à celles des immeubles du quartier. C'est le type même d'une mairie anti-monumentale, mais qui reprend tous les symboles républicains. L'importance du drapeau au fronton des mairies est liée bien sûr à un élément très simple, c'est que c'est le représentant de l'État. Mais dans la mairie, c'est pas forcément uniquement le bâtiment, mais tous les attributs qu'il y a avec. Le buste de Marianne dans une des salles. La devise républicaine doit être inscrite. Donc liberté, égalité, fraternité. L'intérieur de l'hôtel de ville est mis en scène sans escalier fastueux, mais avec un hall de service. Un patio sous verre qui la transperce tout en hauteur fait office de jardin tropical.
Autour du patio s'enroulent les coursives sur lesquelles s'ouvre la salle du conseil, la salle des mariages, le bureau des adjoints et de nombreux espaces d'accueil spécialisés. On a une part de symbolique, c'est l'endroit du pouvoir et c'est l'endroit où il y a la reconnaissance de l'ensemble des citoyens réunis. L'occupation finale de l'îlot par la mairie verra se poser en 1994 une extension de bureau. Construit sur l'emplacement de l'ancienne caserne des pompiers, le bâtiment affiche au milieu d'espaces verts sa modestie par la brique, le verre et son aspect cubique. Il est relié au bâtiment principal par un original chemin couvert suspendu au-dessus d'un petit jardin où se mêlent bambous et plantes décoratives. Lieu de la vie démocratique et du pouvoir communal, l'hôtel de ville de Malakoff offre désormais sur son parvis rénové la marque d'une ville qui s'appuie sur sa mémoire pour mieux construire le présent et l'avenir.